Salut les viewers et les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de En Thème. On va parler à Yaro. Voilà. Bien. Écoute. Je t'écoute. En un seul morceau. C'est bien. Merci. Empêcher la revente de ces pièces incontrôlables des démiurges. C'est bien aussi. Laisse-moi Merci. Dîner. Laisser Dick s'échapper, c'est pas bien. Pas bien du tout. Il devient trop puissant. Même le Dominion a entendu parler des enchères. Quelqu'un qui ressemble à un freelancer avec ce genre d'amis, ça va nous poser problème. C'est clair. Oui. Malgré notre succès, les gens parlent. Ils sont déconcertés. Le point positif, c'est que Dix en a pris un coup. Les arcanistes qui la livrent au Scar, nous les avons récupérés. Et on a fait en sorte d'empêcher sa vente aux enchères. Donc oui, le setup a changé, les amis. Soit le setup son, il a dû le sentir passer. Est bien mieux réglé. Ouais. Mais ça et le setup caméra, qui est un peu plus frontal. On peut peut-être s'en servir. Je vais réfléchir. De ton côté, tâche de rester en vie. Bah, je vais au bar. Normalement, ça devrait aller. Hein. Connais le principe. Toujours pas décidé de creuser le tunnel pour... Non. D'accord. Très bien. Bon, on va aller voir les sentinelles au bar. Parce que je crois qu'il y a ça. C'est pas le bon bouton, Marcus. Hop. Ah là, ça doit être Bryn. L'un des nôtres. Et ici, il doit y avoir Morle. Ok, très bien. C'est parti. On est en 1.0.3. Hein. Il s'est passé des choses entre-temps. Je vais avoir normalement déjà démarré The Division 2. Avec Ronron. Rontopo. Le bar. Rappelé. Crac. Carset, ta beau camarade. Carset. T'as pu venir. J'aurais raté ça pour. On t'y est pas. Pour fêter la coopération entre les freelancers et les sentinelles, c'est Bryn qui paie sa tournée ce soir. Même si elle va jamais au-delà d'un verre. La modération, Bar. Un jour, tu sauras ce que c'est. Alors, ça marche comment, cette petite réunion? On est là pour se détendre et penser à ceux qui nous ont quittés, pour leur rendre hommage. Oula! Que les freelancers le font aussi, non? Je pense que ta tête est partie drôlement loin. On est confrontés aux mêmes menaces. On lutte pour les mêmes combats. On verse le même sang. Et quand on part au combat, c'est pour le bien de tous. Aux sentinelles qui nous ont précédés et à celles qui viendront. On n'a pas. À ceux qui se sont sacrifiés. On n'a pas un verre? Punir l'hôte des sentinelles. Et... Non, oraison de freelancer. Voilà, c'est parti. Aux meilleurs lanciers avec lesquels j'ai eu l'honneur de travailler. Pas vraiment la fin traditionnelle de notre ode aux disparus, mais j'aime bien. Continue d'avoir des bonnes idées comme ça, Bryn. Je vais essayer. Avant que j'oublie, je suis heureuse qu'on ait appris à se connaître. Prends soin de toi. Oh. Tu l'as bien mérité. Non, c'est pas fini. Vigilant, freelancer. C'est fini? Content de te voir. Moi aussi, Yamal. Toujours un plaisir. C'est fini. Carset, ta beau camarade. Carset, ta beau camarade. Carset, ta beau camarade. Oh, c'est dommage. Bon, sinon, juste au passage, j'ai fait quelques petites choses. Que j'ai essayé d'en faire quand c'est pas buggé ou autre. Ça, c'est cool. Même à la forge, j'ai quelques magistrales maintenant. Quelques magistraux, quelques magistraux. C'est moche. Pardon, hein, mais... Non, c'est laid, hein, franchement. Bonjour, mon beau freelancer. Bonjour, Marl. Bonjour, Gunther. Comment ça va? À merveille. Repartir de zéro comme ça, ça a rallumé ma flamme artistique. J'aurais peut-être dû la... flamme, c'est moi. Vous m'en voyez ravi. Nous nous inspirons l'un l'autre. J'ai créé un nouveau modèle. Mon premier depuis bien longtemps. C'est celui que je porte. Admirez notre écharpe d'or. Alors, tu en dis quoi? C'est kitsch et clinquant. Oula, c'est voyant. Et niveau luminosité, vous êtes satisfait? Non, bien sûr. Je voulais que ça éblouisse encore plus. Mais notre choix de tissu est très limité. On a fait avec ce qu'on avait. Tu as l'œil, freelancer. Tu es le premier à nous dire que ce n'est pas assez lumineux. Merci. C'est pas ce que j'ai dit, hein. C'est ça qu'on t'aime. Et qu'on t'aimera toujours. C'est... Non, chelou. Ne dis rien. C'est chelou. Ce sont tes sentiments à notre égard. Ouais, c'est chelou. Nos créations, freelancer. N'oublie jamais que Gunther et Marl te doivent leur inspiration. Maintenant, oh. Pas oh, oh. Avant que Gunther ne se mette à pleurer sous le coup de l'émotion. C'est trop tard. Non, je peux pas vous supporter, vous deux. Désolé, je n'y arriverai pas. Je m'en vais. Je fais en sorte de ne pas vous regarder. Je vérifie que... Et plus Yaro, Kono Yaro. Ah.
Non, j'aurais pu partir directement en expédition. On va gagner les quelques 30 secondes qu'il y a de déplacement vers le... vers la forge. Mais on va perdre, bien sûr, la magnifique vision de mon... bah, de mon javelin qui, malheureusement, ou heureusement, a subi quelques problèmes. Je parle du fait qu'il a été reset à un moment où je suis passé niveau 26. Et voilà l'autre bambou. Bon, j'ai eu mon dernier javelin. Salut la star. On dirait qu'on va de nouveau bosser ensemble. Freelancer Riz, content de te revoir en selle. Et pas qu'un peu. Barbichu a un plan. Ça commence par Barbichu. Et ça finit par le sale type en position fétale. Ça te dit ? J'en suis. Ouais. Il en a déjà trop fait. Ça, c'est de la motivation. Allez, papy, raconte ton histoire. Papy ? Bien. Diggs est devenu très puissant très rapidement. Mais des gens dangereux en ont après lui. Il a besoin d'une victoire. En effet. Saris va partir devant et envoyer un faux appel de détresse. Gros équipement, seul, blessé au milieu de nulle part. L'a pas parfait, quoi. Diggs va carrément se jeter dessus. C'est possible qu'il sorte de son trou pour voir. Ok, c'est parti. Au fait, mes amis sont toujours portés disparus. Je sais que Diggs est derrière tout ça. Trouve-le. Tu comprends ? Je comprends. Si tu veux, pas de soucis. Yaro a un plan pour attirer les proscrits là où se trouve Rhys et les suivre jusqu'à la base secrète de leur impitoyable chef, Diggs. Un peu cucu la praline. On dirait le début de Star Wars. Peu m'importe ce que vous dites de moi, ça ne m'empêchera pas de venir vous sauver les biches. Freelancer Rhys, d'accord, ok. Ça, c'est les proscrits. J'ai déjà lu les proscrits. Bon, bah... car c'est ta beau camarade, putain, car c'est ta beau camarade, car c'est ta beau camarade. Je vais l'avoir dans la tête toute la journée. Hein. En plus, cet après-midi, je vais liver sur... sur Astronir. Alors, ah, eh non mais, bon, elle est pas là, on est sûr comme ça, c'est clair, hein. Mais le jeu m'a dit quand même de, d'accord, okay. Très bien, foutage de gueule du jeu, bah écoute, je me barre, je me tire, je me demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Ok, c'est Diggs, c'est ça, parfait. Un temps difficile, on va part... Non, j'ai peur d'être tout seul. Parce que tout seul en difficile, ça va être la... ça va être problématique. Je fais tous mes, toutes mes forteresses en difficile. Je les ai toutes faites là déjà en difficile. Pour la simple et bonne raison qu'à chaque fois que je pars en normal, j'ai un bug. Donc, que ce soit une salle à un moment qui trigger pas ou autre chose, j'ai toujours un bug. Du coup, autant partir en difficile, j'en ai beaucoup moins. Ok, bon bah j'ai bien fait apparemment parce que je suis tout seul. Je suis en position, t'es prêt de ton côté ? Ouais. Riz, je capte ton signal de détresse. Maintenant active ton traceur. Machin de traçage arcaniste activé. Un traceur ? Si Diggs se pointe pas, on va pouvoir tracer toutes les communications. Si quelqu'un l'appelle, on aura une position. Tu m'indiques ? Hop. Oh, on est bon. Oula. Ça pardonne pas. Ok. On a un copain apparemment. Pas pour l'instant. Un instant. Riz, qu'est-ce qui se passe ? Accroche-toi. Oh. J'ai pas assez plongé. Alors j'ai une grosse envie de jouer à Subnautica. En plus, il a été mis à jour récemment. Le bilo zéro. Salut Riz. La cible n'est pas seule. Qu'est-ce qui se passe ? Ah c'est Riz, putain. Oh ça je déteste ça. Coucher.
Et... Oh. J'entends des conversations radio avec Dix. Utilisons ce traceur. Je regarde ça justement. Ok. Ça se passe très bien. Ah bah, j'étais dessus. Merci. Pourquoi tu te prends zéro dégâts? C'est bon. Yaro, dis-moi que t'as quelque chose. Deux emplacements possibles, je peux rien faire de plus. Ah! Merde. Bon, j'en prends un. Riz. Je me charge de l'autre. Allez, on bouge. Faites que ça tombe sur moi! S'il vous plaît, pas d'argent, pas de travail. Deux signaux, oui. Riz, préviens-moi si tu vois quelque chose d'anormal. Ça marche. Oh. Kono Yaro! Oh, ça te rapporte. D'accord, ok. Ça prend que quand je suis en course. What the fuck? C'est pour éviter qu'on farme. De toute façon, à partir du moment. Le jeu veut qu'on grind. C'est-à-dire qu'on s'efforce à faire quelque chose pour trouver quelque chose. Il veut pas qu'on farme. C'est-à-dire qu'on ait un bon moment pour récupérer des choses. Là, avec le patch 1.0.3, c'est annoncé. La couleur est mise en avant par les développeurs. Hein. Il faut qu'on en chie. Une cascade, mais rien pour l'instant. Tu sais quoi, cet endroit, la nécropole, l'eau disparue, veille. T'inquiète pas, on va trouver. Son histoire s'arrête ici. Voilà, je m'en doutais que j'avais quelque chose dans le genre. Tant pis, hein, s'il faut qu'on se fasse TP, on se fera TP. Pas content, pas content. Pardon, en plus j'ai mon géologue encore à faire. Hein. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas mon équipement classique. Ça fait du bien de sortir de ce truc. C'est passé quoi ? Tu m'étonnes. Parfait. Et si c'était lui, Diggs? Alors tire dessus, vas-y, couvrez. Une seconde, j'arrive. Ah, j'ai pas mon maître du corps à corps, donc on va en profiter pour le faire. Salut les mecs! Libéré, délivré. Les étoiles me tendent les bras. Libéré. Délivré! Réunis les freelancers pour t'occuper de Zalage. Non, je ne pleure pas. Bah où es-tu? Ici. Les pièces du Dominion. Des armes, des armures. C'est pas bon. Dix a passé un marché avec le Dominion. Qu'est-ce qu'il va négocier s'il a pas de fragments? Il comptait le vendre au Dominion. Quoi? Dix allait le vendre au Dominion? Des armes contre les freelancers, c'est le marché. Ça fait mal, hein? Ouais, je sais, il s'appelle le Papa Pompe. Je suis pas fan de son système. Ah, putain, du blanc, quoi. Mais écoute, ça fait le café. J'ai pas encore, faudrait que je mette un build qui recharge très très vite et puis après c'est bon. Que 3 secondes de recharge, 5 secondes de recharge. Oui, j'ai compté en même temps. Ça fait beaucoup. Ouais, je crois que c'était. D'accord. Riz est arrivé la première à la caverne centrale. Riz doit pas sortir cette fois, tu comprends? Je comprends parfaitement. Hop là, c'est fait. Ça aussi. Pourquoi j'ai l'impression que je suis tout seul à bosser? On essaie de faire... Ah, d'accord.
Merci, au revoir. Ça me chatouille le nez. Oh dis donc, vous avez vu comment d'un seul coup le chaos limier il s'est des pop on va dire. Il a des buffs. Je suis deg. Ok, très bien. Au suivant, on va passer sur l'autre style d'arme. Non, c'est pas si dingue, hein. C'est déjà résolu même, je dirais. Pas de... truc vert. Non, très bien. Même pas de coffre. Bouh. Bouh, shame on you. Un instant. Hop là. Oh. Ok. Bon. Ah. Oh. Sors de là, sale lâche. Hop là. Alors comment vous avez survécu, personne ne le sait réellement. Pardon, je regardais mes munitions. C'était quoi ça? Diggs! Tu sais quoi? Tu mérites la grosse artillerie. Pourquoi j'arrive pas à sauter haut? Voilà! Il est même désintégré le pauvre garçon, hein. Je l'ai tranché quoi. Non? Pas bon signe. C'est fini, Yaro. C'est fini. Oui. Et mes amis, vous les avez trouvés. Leurs histoires vont continuer. Plutôt une bonne journée, Polo. C'est vrai. Merci. Maintenant. C'est bon? Oh! Je suis à 23 points de passer mon cap chez les. Oh là 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 là. Ce vol. Allez. Bravo et bye bye. Hein. J'ai pas le temps de dire bye bye. Bye bye. Gagner des pièces et débrayer des plans en relevant des défis. Oui, je sais, j'en ai déjà fait un paquet des défis. Hein. Ça, c'est clair que j'en ai fait un paquet. Hein. Pardon, faut alors que je prenne l'habitude de pas regarder là, mais de regarder là maintenant. Que je reprenne l'habitude. Ah là là. Ah, on n'a pas le même style. Il vient de Bombay, il a 13 ans et il vit au Japon, c'est ça? Non, je sais pas. J'ai fait plus. Toujours ça de près. Toujours ça de près, toujours ça de près. Renforcement structurel 36, je dois pas l'avoir. Renforcement de bouclier 36, je dois pas l'avoir non plus. Donc on va en profiter. On va aller à la forge. Et ensuite on va enchaîner avec une deuxième. Ensuite on ira voir Yaro. Oh non, Yaro! On va voir comment on a dialogue. On va d'abord voir ça. Alors. Renforcement structurel que 36, je l'ai apparemment, autant pour moi. Et où? Là? Je croyais que j'en avais chopé un deuxième, mais Ok, non, bizarre. Bon, d'accord. Renforcement de bouclier lourd 36, ça c'est bon, ça. Effet d'acide. Je préférais ma vitesse d'ultime, hein, mais bon, c'est pas grave, on va le mettre pour l'instant.
À sous lourd amélioré, je... Non. Non, non. Absolument pas. Renforcement structurel, bah il est là. Celui que j'ai, c'est ça. Effet de feu, plus 20% de munitions. Ouais, bah c'est pas plus mal comme ça, finalement. Là, on a rien de plus. Je vais rester en full flamme. Hop, on va aller voir ce qui se passe au niveau du hub de Fort Tarsis. S'il y a des gens qui veulent me parler, si Brynn veut continuer à me parler, ou pas, si elle est rentrée du bar, ou pas. Ça serait intéressant, ou pas. Tu peux avoir la map, s'il te plaît. Ah, dis donc, il y a plein de choses. Patrouille du fort, sentinelle Brynn. Ok, bon, bah, commencer par là, on va aller voir Yaro, Kono Yaro. Bah. Putain, ça donne envie. Je sais que je le dis souvent, je sais qu'il y a de plus en plus de vie aussi au passage. Ah, nice. Oh merde. Pauvre Aruna. Je crois qu'elle était censée être partie et qu'en fait elle a pas réussi à partir, c'est ça? Bon, Yaro. Diggs, c'est fini. Plus de Diggs. Il travaille avec le Dominion en fin de compte. Si les gens ont entendu ne serait-ce qu'une rumeur à propos d'un freelancer travaillant avec eux, c'est mauvais. On y a mis un terme. Diggs, ses hommes, son installation, c'est fini. Mm-hmm. Oui, t'as raison, c'est le point positif. T'as aussi sauvé les autres freelancers, c'est super. Ouais, je sais, ouais. Oh, tu crois l'avoir terminé? C'est jamais terminé. Tu comprends? Je comprends, oui. Mais on trouvera peut-être un moment plus tard pour arroser tout ça. Oui, bah là, à chaque fois qu'on me propose d'aller boire un verre, moi je finis avec rien dans le gosier, hein, donc... C'est mignon, hein, mais un peu chiant sur les bords à me laisser être le Sam tous les soirs. C'est Sam? Ouais, peut-être. Je ne sais plus. Du coup, au bar, il n'y a personne qui veut... Bah oui, mais personne qui veut me payer un coup, forcément. Un bain serait nécessaire. Ah ouais. Pour avoir fait toute cette huile naturelle. De l'huile naturelle. Je crois que c'était à moi qui ai parlé. Qu'est-ce que c'est que ce contrat? Bonne nouvelle. J'ai l'accord officiel de mes supérieurs pour qu'on travaille ensemble. Ah, nice. Ça change quelque chose? Pas vraiment. J'ai juste la conscience tranquille. Bref, je vais avoir une multitude de contrats pour toi. Toutes sortes de problèmes à résoudre. Ok. La sentinelle Brynn a pour mission de détecter les dangers qui menacent Fort Tarsis et d'y mettre un terme, et dès là, les éliminer quelle que soit leur forme afin de garantir la sécurité du fort. Je suis très heureux que des freelancers et des sentinelles collaborent. La sentinelle Brynn s'est montrée très audacieuse et clairvoyante en encourageant ce rapprochement. Que l'on soit Yaro à propos des relations freelancer-sentinelle. Nice! Ça, nous l'avons déjà lu. Eh bien, je prends. Dorénavant, tu m'appelleras l'ultime Kista. À présent, nous devons nous battre. Voilà, c'est pour ça que j'écoute cette satanée émission. Elle est con. J'adore. Brynn, t'es censé pouvoir me parler. Ah, Brynn, non, Brynn. Ça fait un peu de nombril hein, quand je le dis comme ça, je le sais. Bon bah je peux pas. Attendez, on va essayer de sortir un coup. Salut toi, il est où ton frère jumeau? Brynn! Faut qu'on communique! Non, elle veut pas. Elle veut pas. Pourtant apparemment j'ai un autre... Non. Si, j'ai d'autres contrats au niveau de chez Yaro. Les travaux de freelancer. Ça veut dire qu'il faut que je commence à faire du bâtiment, tout ça? À réparer toute la ville? C'est quoi cette musique? Oh, on est à Fort Tarsis, hein? Pardon de me faire flipper, hein. Allez. J'ai remarqué que je peux voir mes mains et mes pieds. Les contrats n'arrivent pas en ce moment. C'est rassurant d'avoir autant de contrats. Mettons-nous au travail tout de suite. D'accord. Les freelancers gagnent peu à peu la confiance des habitants. La preuve, de nouveaux contrats requérant votre attention sont publiés chaque jour. C'est ce qui fait tourner notre ville, ce ne sont pas que des contrats, c'est la promesse que quelqu'un veille, que quelqu'un est là pour aider. Victorieux seul, invincible ensemble. Ok. On a senti un petit peu mon...
mon désapprouvement. Je sais pas si ça se dit. Parce que là, j'ai plus que des contrats, on est d'accord ? Ok, très bien. Commençons par la patrouille du fort. Ou la chasse aux archives, ça a l'air d'être le plus ancien que j'ai. Allons faire ça. L'avantage, c'est qu'avec ces contrats, je peux me faire rejoindre par des gens. J'espère que je vais me faire rejoindre par des gens. Il y en a de moins en moins hein, sur le jeu. Je m'en rends compte. Hein. Et bon, ils vont jamais publier de chiffres officiels, mais je trouve qu'il y a de moins en moins de joueurs. Hein. Avant, tu faisais des parties free-play, t'arrivais, dans au moins de 5 minutes, vous étiez 4. Maintenant, au bout de 20 minutes, vous êtes 2. Non, un quart d'heure. Ça fait un quart d'heure hier soir. Et c'est chelou. Ça fait très très mal. Mais bon, faut reconnaître que, encore une fois, j'avais pas aimé le certain ton qu'ils avaient pendant le dev stream. Et ça m'inquiète. Ça m'inquiète beaucoup parce que j'ai l'impression qu'ils s'en foutent de leur jeu un petit peu. Enfin bon, on verra. On verra. Une fois de plus, je suis tout seul. C'est inquiétant. Pour l'avenir du jeu. Mais ils sont vraiment plantés sur le principe du game as service. Hein. Parce qu'en fait, ils l'appliquent pas. Ils l'ont annoncé tel quel, mais ils l'appliquent pas. Ils l'appliquent pas du tout parce que finalement, bah, c'est un. Ça, enfin. Le principe du game as service pour moi à la base, c'est déjà que. Détruis ces œufs ou des scorpions sortiront. C'est déjà que. Comment dire. Avant du principe de la façon dont on délivre le jeu, c'est aussi se mettre au service du joueur, du client. De celui qui paye, quoi. Et pour l'instant, je pense pas que ce soit le cas. Oui, c'est un nettoyage par le feu que je fais. Mais elle est où ? Si les shotguns, ça va être mieux. Oh là. Oh bah dis donc. Qu'est-ce qui m'arrive? Salut. Je cherche le... Ah bah, voilà. Tout est sécurisé, ennemi à terre. Ok. Il récupère rien l'autre mec. Hein. Ouh. Par contre, il a trouvé du violet partout. Ok. Je suis. Oula. Toujours l'XP d'abord, hein, les amis. Hein. Je fais forcément l'XP d'abord. Parce que c'est une fois level 30 que je pourrais vraiment commencer à essayer de me stuffer. Avec la disparition du vert et du blanc. Mais bon, apparemment. Pas aussi simple. Ok. Vocifération d'un proscrit. Je crois que ça se prenait ça, mais non. Ok. Pas délicat ça. Attention, les wyvernes cherchent une proie facile. Ça marche? Je peux cramer de la wyvern? Je peux cramer de la wyvern. Du poulet. KFC. Ah oh merde, tu m'as volé mon KFC. Ça se fait tellement pas. Fusil de chasse hein. Délicat. Suivant. Non. Ok, c'est pas vraiment là que j'ai visé. Hein. Mais bon, ça a fait le café. Ok. C'est pas très très...
Je sais pas comment j'aurais fait sans toi. Ouf Guedin. Je crois avoir une autre mission pour toi dans les parages. J'ai trouvé quelque chose de spécial. L'emplacement de célèbres notes de terrain perdues depuis des décennies. Vas-y. D'accord. D'accord, bien compris. Je suis seul à me rendre compte que là on est toujours que deux. Je sais pas, ça me semble inquiétant. Il y aura bien un truc de planqué là-dessus, non ? Je cherche quelque chose d'inhabituel. C'est peut-être pas très parlant. Ok. Balek. Où sont les autres? Je suis à la recherche d'autres frags. Terminé. Parfait. Il a été bien meilleur que moi dans la recherche. Réaliser l'harmonie. On y est presque. Reste ici pendant que je finis d'harmonie. Ok. Alors, ok. Des gens qui veulent me faire frapper par la foudre. Je suis hors de portée. Ouais, ouais, j'y retourne. Salut. Si tu veux, bah vas-y, va t'amuser. Bien, voilà un contrat de fait avec 800 XP au final, donc ça c'est plutôt bon. Je l'ai raté, j'aurais bien aimé le voir. Ouais. En train de regarder mes équipements que j'avais chopé, mes loot. Pourquoi pas. Je suis un. C'était pas aussi fun. S'il faut pas que tous les contrats soient en dents de scie, il faudrait qu'ils soient tous aussi fun les uns les autres. Là, à la fin, c'était différent. La fin, c'était vachement différent. Maintenant, j'aurais bien aimé qu'on puisse profiter, entre guillemets, de cet effet, l'effet visuel qu'on avait, pour, par exemple, ne plus avoir de HUD et pouvoir continuer à se battre. Vous voyez, un truc un peu plus tendu. Ouais, il était meilleur que moi, ouais. Bon, très bien. Oh, blam 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 blam, combo de colosse, j'utilise pas, canon anti-aérien moyen, je suis pas fan. Direction Fort Tarsis. On va faire un deuxième contrat, voire un troisième. Faut savoir que là, j'ai un problème de rangement, je ne vois pas du tout ce que je fais. Voilà. Il y a à peu près 36 minutes, je dirais. Je vais enchaîner. Merci, freelancer. Je t'en prie. Tout le plaisir est pour Bibi. Ok, changer de mission. Contrat numéro 2. Travaux de freelancer patrouille du fort. On va aller travailler avec Bryn. Hop. C'est parti. En espérant que ce contrat sera plus intéressant. On n'est pas encore arrivé au contrat légendaire, hein, donc je pense que ça va pas tarder à arriver. Mais à ce moment précis, je sais pas si... continuera à y jouer. S'il y a personne d'autre qui y joue et que je passe plus de temps en matchmaking qu'en game, limite. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Mais bon.
Mais à la base, c'est quand même un jeu d'équipe, hein. Si vous jouez tout seul, c'est pas drôle. Ah, oh, c'est long. Mais bon. Et encore une fois, personne. J'ai besoin que tu trouves et que tu détruises des armes stockées par les SCAR. Je vais voir ce que je peux faire. Bon, ça me dérange pas, hein, mais bon, c'est pas le... C'était pas le... Comment dire? L'objectif du jeu. Hein. C'est la seule chose qui m'embête. Oh, ben y avoir un truc de planqué là-dedans, non? Non, que dalle! Bah putain. C'est parti, je me tire! C'est rouge. Ah, on va dans le rouge, d'accord, très bien. Donc on va sûrement dans un... Je sais pas si c'est peut-être un donjon. Ah, je dois avoir plein de poils de mon chien sous le nez. Non, même pas. Oh, je suis pas en surchauffe, c'est encore bleu. Hein. Oula. Et le respect. Boum. Très bien, il n'y a plus rien autour en termes de composants. Pour l'instant, c'est le level 30 que je vise. Le vrai hic, c'est qu'avec The Division, je sais pas comment je vais me dépatouiller. On va voir. Je verrai bien. Se cache les armes d'Escar. Tu dois toutes les détruire. Salut. Oh, attends, j'ai de quoi faire. Merci. Ok, suivant. Two shot. Ah, faut que je les détruise, d'accord, ok, très bien. Dégagez! Ah, c'était pas ça? Très bien. Hop! Bon, après, c'est vrai que dit comme ça, je pourrais peut-être passer en difficile, mais. Le problème difficile, c'est que c'est des sacs à PV d'un seul coup. Donc là, en fait, soit je les one-shot, soit j'en chie au prochain niveau de difficulté à les tuer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'entre-deux. Ok, ça te mérite d'être buté. Oh, bah non, quel dommage. De la belle manière, j'allais dire, mais bon. Si j'avais pas eu le petit lag au moment où j'ai sauté. Salut! Non, j'aurais pas mon combo. On va peut-être commencer à chercher un petit peu les trucs que je suis censé casser. Que je me rends bien compte que je progresse pas dans la quête. Bien joué. Maintenant, merci. Hop, 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 bah, bon. Là-bas, non, non. Ici, non.
Là ? Oui. Viens, ça fait moins d'armes pour les SCAR. Oui, c'est pas mal. J'adore le ton qu'elle a. Je sais pas qui c'est l'actrice, mais j'adore. J'adore ta voix. Voilà, c'était le dernier. Les SCAR n'ont plus d'armes en stock. Ok. Et le pire, c'est que j'ai vu des gens rouler sur le difficile, comme là je roule sur le. Voilà, sur le normal, donc. C'est pas tout, hélas. Ah bon ? Oui, madame. À vos ordres. Oh. Nice. Il me reste encore 41 à trouver, hein, donc j'ai le temps. Hein. Ok. Ok. De l'XP supplémentaire via le principe des objets collectés. Toujours ça de près. Ah, ça y est. Wouh, ça en fait du monde. Ils doivent être attirés par l'énergie de la relique. Rapporte les échos pour la neutraliser. La 8 à récupérer. Encore un surchauffe. Très bien. Salut les filles. Un instant, hein, je cherche les autres échos. Ok. Très bien. Boum. Boum. Boum, 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 boum. Mais il est par où ? Encore plus haut ? The fuck ? Ah ouais. Ok. Et c'était les derniers. Parfait. Faut avoir droit à un titan. Non ? Oui ? Il reste des ennemis actifs, éliminés. Bah, c'est plus grand monde en vrai, hein. Voilà. Il va falloir insister un peu. D'accord, j'insiste. La relique des murs a commencé à devenir instable. Va la neutraliser, vite. Ah, oh, c'est pratique ça, hein. Oh, le gain de temps. Je suis qu'en, par contre, je suis qu'en bronze au niveau de cette prouesse. C'est beaucoup moins drôle maintenant. On va essayer de se faire une ligne droite. Oh, il y avait du bleu là-bas apparemment. Enfin, du bleu du... De la recherche. Enfin, des composants. Ouais. Je regarde toujours un peu partout si je peux voir un petit bout de vert quelque part. Ok. Eh ben dis donc, il y a 40 km entre chaque point. Par exemple ça, vous voyez. Mais dis donc, mais on dirait mon garde-manger, c'est plein d'os. Ok. Très bien. Toujours pas de suite finalement, hein. Ah ah. Et je suis passé en argent. Plus 50 points d'XP, wouhou. km à pied, ça use, ça use. Ouais, je m'en doutais.
Je m'en doutais. Évidemment, le Dominion est venu récupérer une puissante relique des démurges. Évidemment. Salut. Pardon, je recharge. Excuse-moi, je t'ai maintenu en vie un peu trop longtemps. Salut. Ok. Ça m'a fait peur. Et maintenant, la relique vomit des créatures. Fantastique. Neutralise-la au plus vite. Ouh, ça va être... Oh, c'était pas si mal. Oh, c'était juste au cas où, hein, je voulais m'assurer que... Que j'ai pas d'ennemis tout autour de moi. Bah ben, on va encore avoir fait plutôt dans ce... Ça marche mieux dans ce sens-là. Un contrat tout seul. C'est pas rassurant quand Au nombre de joueurs qu'il y a dans le jeu. Oula, salut la brute. Comment j'ai pu te louper toi? Ça va être mignon dans The Division. Alors faut savoir que j'ai peu d'attentes vis-à-vis de The Division. Ce qui est à la fois une très bonne et une très mauvaise chose. Ça veut dire que soit je vais pas aimer du tout et je vais avoir fait gaspiller de l'argent à un abonné qui m'a gentiment offert le jeu. En même temps, le mec il précommande le jeu et ensuite... Hein? Hein Simon? Tu précommandes le jeu puis après tu te dis tiens je vais passer sur une nouvelle carte graphique et... Oh ils m'ont offert le jeu avec! Génial! Tu parles! Te mange pas dans les coms s'il te plaît, t'es gentil, hein. J'apprécie le geste, tu sais très bien. Ce qui est juste con, c'est qu'on pourra pas jouer ensemble au début quoi. Vu que t'auras pas reçu le PC monté. Mais bon. C'est ça qui m'emmerde le plus presque dans l'histoire. Eh ben dis donc. Ah oui, vous allez pop tant que je fais rien. D'accord. Ok, m'en occupe. Très bien. 3. Wow. 4. Ah oui, c'est vrai, là j'ai plus le... Oh là! Des brutes là, non? Y'en a plus! Ça aurait été efficace! Ah bah les deux sont là, comme ça c'est clair. Dommage que je puisse pas récupérer les deux. Salut toi! Hop, on recharge. Salut! Hop. Problème résolu. Non, t'es un givre. Putain, je croyais que c'était un foudre. Touché. Je t'aime pas. Il y en a une autre. Alors, je pensais que dans le ah, te v'là. Tu sais quoi, t'as gagné, ouais, bien joué. Hop là. Vexé, je pensais que j'allais avoir plus de... On va pas dire de crédit, mais de kill fait, et que ça allait m'afficher le truc et tout, mais... Il y en a même plus que prévu, finalement. Boum. Cassez-vous de mon chemin! C'est bon? C'est bon? Calmé? Tu ferais mieux d'éliminer tous les ennemis actifs à proximité. Non, je te déteste! Brûlez-les tous!
Pourquoi tu m'indiques toujours le... Oh, salut toi. Là, t'as le droit à la pétarade. Ah bon, la prochaine fois t'essaies de toucher le sol avant de mourir. Hein. S'il te plaît, merci. Moi d'abord. Le pauvre. C'est fait. Bravo, freelancer. Au plaisir de te voir. Merci, c'est gentil, Bryn. Toujours aussi adorable. On n'aura rien tombé par contre dans cette mission. C'est vraiment dommage. Ouais. Ok. On va bien voir, hein, mais j'ai rien vu d'extraordinaire. Ça m'est arrivé déjà de louper un magistral. Donc bon. On peut se dire que tout peut arriver, hein. Alors, déjà en termes d'XP. Parce que pour l'instant, pour moi, c'est tout ce qui importe. Hein. C'est pas moche. C'est pas moche, c'est pas moche. On est encore loin du niveau 30. Renforcement de bouclier en 36, je l'ai déjà. Ça, je crois déjà l'avoir en 36 aussi. Toujours des trucs que je comprends pas dans les inscriptions, hein, mais bon. C'est pas grave. Fort Tarsis. Pas l'intérêt à aller voir ailleurs si j'y suis. Hop. Et je pense qu'on va se laisser là pour cette vidéo. Je sais pas comment je vais réussir à balancer deux vidéos par jour. On verra bien. J'en suis où ? 30. Là, on est proche aussi. Donc bientôt je vais avoir le bronze, le laiton, le cuivre. Le 9. Ça c'est cool. Et là, j'ai des dialogues à droite à gauche. Tiens, j'ai Mathias qui a un contrat. J'ai Yaro qui veut boire un coup. Nice. Ok. Le jeu n'est pas fini. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Salut les gens. Et yop.